Ok. Donc, bienvenue à cet atelier Ne plus être activé par un souvenir en changeant la relation émotionnelle à ce souvenir. Donc, voici le plan. Je vais me présenter, puis je vais vous donner mes sources. Et après, nous allons voir d'où vient l'émotion, comme est-ce que c'est une chez nous, est-ce que nous agissons ou nous sommes en réaction. Qu'est-ce qui valide ça d'après mon regard, hein, ce n'est que mon regard. Puis après, le changement, la démarche et les meilleures méthodes et soutiens. Et après, on pourra échanger, bien sûr, tout au long, si vous avez des questions ou des demandes. Et à la fin, comme cela. Donc, je me présente, moi, Louis Mazurel, je suis thérapeute intégratif. Intégratif veut dire que mes nombreuses formations, j'ai un peu aggloméré les meilleurs exercices, les meilleures démarches, les meilleures réflexions selon mon regard. Et mon cabinet est sur Paris 9 et sur Zoom. Donc, quelles sont les sources de la démarche de ce soir? Donc en fait, celui qui m'a fait vraiment évoluer dans ma démarche de thérapeute, c'est Le corps n'oublie rien et Unlocking the Emotional Brain. Alors le problème, c'est que le deuxième est en anglais et n'a pas encore été traduit. Mais les deux, en fait, ont une réelle recherche scientifique de qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment elle évolue, comment on peut la faire changer. Donc, deux lectures que je vous conseille à lire. Et mon parcours m'a amené à faire une formation de Gestalt pendant 5 ans avec l'école humaniste de Gestalt. J'ai fait de la communication non violente pendant 1 an. J'ai suivi les deux niveaux d'hypnose à l'Arche. Et là, je suis en thérapie EMDR, donc Eye Movement Desensibilization and Reprocessing. Et en fait, en allant chercher ces 4 formations, plus les TCC, plus la PNL, plus d'autres choses, eh bien, ça m'a permis de voir une espèce de redondance et de superposition qui a été confirmée, en fait, par les 2 livres qui, eux, sont scientifiques. Donc, c'est mon regard, mais validé par 2 livres scientifiques. Voilà. Donc, comment changer l'émotion par rapport à un événement? Donc, en fait, le postulat de base qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau n'a qu'un unique but, c'est nous faire survivre. Survivre par... Donc, quand on était enfant, il a voulu nous faire survivre et pour cela, il s'est adapté aux demandes des parents dans une situation où le parent n'est pas tourné vers l'enfant et il est toujours en réflexion. Il prend des décisions constamment dont la plupart nous n'avons pas conscience. C'est beaucoup plus en fait un cerveau probabilistique qu'un cerveau conscient qui sait ce qu'il veut faire. Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que nous réagissons majoritairement dans les situations. Voilà. Est-ce que vous avez des... voilà. Donc, en fait, comment, quand on est, eh bien, quand on a une émotion, pardon, eh bien, quand il y a quelque chose qui arrive à notre cerveau, soit on a une forte réactivité tout de suite, soit on a une faible réactivité pour arriver à l'action. Et si l'émotion n'a pas été calmée, apaisée, eh bien, quand il va y avoir une deuxième action, eh bien, le niveau émotionnel sera déjà à un niveau de forte réactivité. Et donc, c'est pour bien comprendre qu'en fait, chaque émotion qui nous a créé une forte réactivité ou une faible réactivité, mais qui nous a emmené à ce niveau-là, eh bien, va être marquée dans notre cerveau et va laisser ce curseur à ce niveau-là. Et si on n'a pas été régulé, eh bien, on va rester là et la prochaine réaction va nous marquer encore plus ce niveau-là. Donc, en fait,
Quand on est dans le cerveau, on a plein, 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 plein de connexions. On a des milliards de connexions et qui proposent toutes les alternatives. Tiens, si maman sourit, je suis joyeux. Tiens, si maman sourit, je pleure. Tiens, si maman sourit, je suis triste. Tiens, si maman sourit, je lui fais un sourire. Tiens, maman sourit, je me cache. Voilà, il y a toutes. Tous les neurones sont connectés et on peut avoir toutes les possibilités. Sauf que petit à petit, l'expérience vécue va faire que, comme je vous ai dit au début, il va choisir un chemin en fonction de sa personnalité, aussi de l'expérience vécue et aussi de l'environnement et aussi de la personne en face. Bref, il y a énormément de facteurs qui font que l'enfant va choisir un parcours. Une connexion neuronale qui va déclencher chez lui une émotion, une action spécifique. Étant donné que la relation à la mère, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien petit à petit, cette répétition va renforcer dans son cerveau que ce chemin neuronal et qui va devenir en fait une habitude. Et donc quand en fait l'enfant verra sa mère, il aura une action spontanée, elle n'est pas spontanée en fait, il va se dire, tiens, quand je vois ma mère, j'ai vu que c'était plutôt cette réaction-là que l'on me demandait, donc je vais l'appliquer sans même analyser la situation. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand le corps va recevoir des informations à travers les yeux, à travers le toucher, à travers l'audition, à travers le goût, eh bien, cette information va aller directement, par exemple, là, dans le cortex visuel, et il va renvoyer cette information-là vers le thalamus. Mais en fait, il y a toutes ces expériences passées qui vont aussi envoyer leurs propres informations. Et ça, en fait, on n'en a pas conscience parce que ça va tellement rapidement que ça se superpose presque dans nos têtes. C'est, tiens, je vois ça, j'analyse ça, ça envoie au thalamus, et en même temps, tout d'un coup, ça renvoie toutes les autres informations que j'ai accumulées par rapport à ce que je viens de voir. Et donc, est-ce qu'on est en action, en conscience de ce que l'on fait, ou est-ce qu'on est en réaction? Comment traite-t-on habituellement une information? En fait, 90%, en fait, quand l'œil perçoit une émotion, est envoyée dans le visuel du cortex, et celui-là va renvoyer ça au thalamus, en fait, c'est que 10% de l'information. 90% des données envoyées au cortex visuel vont être tout le cerveau. Donc 90% de nos actions, de nos décisions face à nos actions sont à partir de nos souvenirs parce que c'est eux qui vont principalement influencer comment on réagit parce qu'ils sont 90% de l'information que notre cerveau va retraiter à l'intérieur de lui. Et donc, on justifiera nos actions a posteriori. On ne peut pas justifier une action avant de l'avoir faite, parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on n'a pas réalisé. Et en fait, notre action dans le réel est la plupart du temps automatique. Et quand je dis automatique, elle est de cette probabilité de 90% de nos souvenirs par rapport aux 10% du réel que notre cerveau perçoit. Donc, est-ce que je suis clair là-dessus? Est-ce que vous avez des questions, des demandes? Non, pour moi, c'est OK. J'ai D'accord, super. pas de questions non plus. Merci. Donc, en fait, l'encodage d'une croyance. Donc, vous voyez que là, dans une situation, eh bien, je vais recevoir une information, mais cette information, elle va être biaisée à 90% par rapport à mon expérience vécue du passé. Et donc, vous voyez le trait bleu de l'information. En fait, c'est la première étape, c'est mon cerveau qui va dire quelle est ma probabilité.
si je fais cela, je vivrai cela et c'est normal pour moi de vivre cela car je suis ce que j'ai pensé de moi. Donc là, vous voyez qu'en fait, 90% de nos actions, enfin, en fait, dans notre action, 90% de ce que l'on fait est influencé par ce que l'on pense croire qu'il faut vivre cette situation de cette manière-là, de tiens, je sais probabilistiquement que c'est comme ça qu'il faut que je réagisse. Et donc, comme je vais agir comme ça, ça va renforcer ma croyance, je crois cela de moi. Donc, ça va créer une réaction, je vais agir cela comme cela par rapport à ma croyance et ma probabilité. Et donc, dans mon corps, je vais ressentir dans mon corps ce que je pense de moi et des autres, et j'agis comme je le pense pour moi et les autres. Et comme ces symptômes corporels de peur, de stress, de tension, eh bien, vont être renforcés par la probabilité. Et la boucle se renforce à chaque situation. Et bien sûr, dans les situations positives comme dans les situations négatives. Et donc vraiment, c'est mon cerveau à 90%, enfin à tous ces souvenirs qui dit je sais tout mon passé, je sais toutes les expériences que j'ai vécues inconsciemment, de manière intégrée, totalement intuitive dans mon cerveau, de manière pas spontanée, mais. Et donc, inconsciemment, sans même y réfléchir, je vais puiser là-dedans, donc je vais agir comme cela. Ce qui va valider ma croyance et en plus, mon corps va me faire ressentir les peurs, les stress ou les joies ou la tension ou le plaisir. Vous voyez, toutes les sensations corporelles que je pourrais avoir. Vous savez, c'est comme le côté, tiens, je vais voir une personne qui me stresse. Eh bien, je ressens déjà dans le corps que je suis stressé et en fait, ça valide ma croyance que cette personne-là et sa manière de faire me stresse et hop, la boucle est lancée. Voilà. Et en fait, si la situation que l'on vit n'est pas la bonne prévue, celle que notre cerveau pense qu'il va vivre, eh bien, soit le cerveau ne va pas le percevoir. Et on va rester dans notre conditionnement et notre action. Soit le cerveau va le percevoir et ça va créer un effet de surprise qui va peut-être permettre un changement dans l'habitude. Parce qu'il y a toutes les « oui, j'ai cru, mais je sais que c'est comme ça. Oui, j'ai vu que c'était différent, mais la prochaine fois, ça sera, je sais bien que ça va revenir à la même situation. Oui, j'ai vu que c'était différent, mais moi, c'est comme ça que je veux vivre. » Et donc, en fait, cet effet de surprise va recréer une plasticité dans les neurones qui va durer plus ou moins 5 heures. Et en fait, pendant ces 5 heures, on va pouvoir aider la personne à changer sa croyance. Et donc, vous voyez que ce qu'on recherche dans les séances de thérapie, c'est créer cet effet de surprise pour pouvoir réouvrir la plasticité du cerveau et pouvoir lui proposer une nouvelle probabilité, une nouvelle réflexion, une nouvelle croyance et l'entraîner à prendre plus particulièrement cette nouvelle probabilité. Voilà. Donc, deux soutiens, deux histoires, deux points qui soutiennent ce point. Donc, il y a le traumatisme et les grands sportifs. Donc, tout d'abord, le traumatisme, où est-ce que l'émotion bloque? En fait, quand on reçoit une charge émotionnelle trop forte, surtout quand on est enfant, eh bien, l'émotion va se bloquer dans l'hypothalamus. Donc, vous voyez là ce truc qui bloque. Et en fait, quand une personne est traumatisée et a été traumatisée dans son enfance et agresse son partenaire pourtant qu'il l'aime, eh bien, souvent, cette personne-là... On n'est pas là pour la juger, on n'est pas là pour la critiquer, on n'est pas là pour... Mais en fait, elle est en réaction, elle est activée et elle prend sa probabilité qu'elle a acquise dans l'enfance. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait réagir tout le corps. Est-ce que je suis clair? Et en fait, ça se voit très bien au niveau des écrans.
Parce que là, à gauche, vous avez, vous voyez que là, ce sont deux trucs d'un cerveau marqué. Je vais peut-être mettre celui-là. Vous voyez, au-dessus, vous avez un cerveau contrôle qui est sain, qui a une bonne confiance en lui, qui n'est pas traumatisé. Et vous voyez qu'en fait, tout le cerveau est activé, qui a aussi bien de front comme de côté. Eh bien, il y a 5-6 zones d'activées. Il y a le côté frontal qui est la réflexion et l'intégration qui est très activée. Bref, il y a tout le cerveau qui prend l'information et qui la traite. Alors que la personne d'en dessous, qui est traumatisée, eh bien, vous voyez qu'elle est bloquée. Enfin, que l'émotion, que l'information reste un endroit très, très, très spécifique du cerveau et va à peine devant, mais reste totalement concentrée à ce niveau-là. Et en fait, à ce niveau-là, c'est quoi? C'est l'image de soi. En fait, l'émotion, l'événement traumatique est juste à côté des neurones de l'image de soi, qui sont considérés comme l'espace de l'image de soi. Et aussi, ça n'active pas la zone de la parole. C'est pour ça que les gens qui sont traumatisés n'arrivent pas à parler parce que les neurones sont bloqués par trop d'émotions. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver leurs mots même 5 ans, 10 ans ou 20 ans plus tard parce que cette surcharge émotionnelle fait que l'émotion reste dans l'hypothalamus et bloque leur image de soi et bloque aussi leurs paroles puisque elle ne se disperse pas, comme vous pouvez voir dans ce cerveau-là. Et donc, vous voyez qu'en fait, l'objectif d'un traumatisme, c'est que on aille, l'objectif d'une séance de thérapie, c'est d'aller voir cette émotion, cette peur primale, cette peur très, très marquée, et de réussir à la liberté. Libérée pour qu'elle puisse se disperser dans tout le cerveau et que le cerveau puisse intégrer l'expérience, intégrer l'émotion, intégrer l'expérience et que ça s'apaise. Parce que vous voyez que oui, c'est très fort, mais ça se disperse dans tout le cerveau de manière en plus ou moins homogène, mais de manière large, alors que là, c'est hyper concentré. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez des questions, des demandes? Non, c'est clair. Moi, j'avais pas idée de tout ça, quoi. Merci. Super. Je vous enverrai après un lien vers une vidéo où le mec explique ça. Bon, elle est en anglais, mais celui qui a écrit le bouquin. Explique ça très clairement. Sinon, en fait, sa vidéo, c'est un peu son bouquin, mais mise en avec deux, trois situations de plus. Voilà. Et donc, le deuxième soutien, le savoir et les neurones. On sait que plus on sait quelque chose, moins on a de neurones. Et ça, en fait, s'entraîne. En fait, chez les très grands sportifs, plus ils s'entraînent, plus ça entraîne le cerveau à avoir une diminution des neurones. En fait, si, pourquoi? Parce que c'est l'acte spontané. L'objectif, c'est que quand ils font un geste de combat ou quand ils font ou un geste d'arc, enfin tous les grands sportifs, eh bien, leur cerveau a réduit au maximum tous les neurones pour que l'information arrive très rapidement et clairement et ne se disperse pas dans le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre conscience pour tous les enfants qui ont été traumatisés ou qui ont vécu régulièrement quelque chose de répétitif, un entraînement à la violence, un entraînement à l'agressivité ou un entraînement au bonheur. Et ben en fait, leur cerveau a créé un canal direct vers l'action qu'il pense que c'est. Et c'est pour ça que quand quelqu'un qui est traumatisé agresse les autres,
Eh bien, c'est pas parce qu'il a. En fait, c'est qu'il a un canal très marqué qui est très facilement activé et qui envoie tout de suite une réaction hyper intense parce que son cerveau s'est câblé vers cette émotion et cette réaction hyper intense. Donc, ce n'est pas de sa faute. C'est un conditionnement, c'est une habitude, une probabilité qui est pour lui tellement marquée, tellement puissante, tellement intense qu'il réagit à fond. Voilà. Donc, comment changer? En fait, il y a deux solutions, la régulation et le changement. La première, la régulation, en fait, ça permet de gérer le quotidien, de s'accueillir dans le quotidien, d'être apaisé dans le quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une émotion apparaît, donc c'est les techniques thérapeutiques numéro 2, c'est que quand une émotion apparaît, on l'accueille et on la laisse traverser. Et les techniques numéro 3, en fait, c'est celles justement qui permettent de créer après la régulation. C'est celle qui fonctionne vraiment. Et en fait, les méthodes de régulation, c'est celles qu'on connaît partout et que chacun propose de manière différente. En fait, la méditation ou la méditation de pleine conscience, ça part de qu'est-ce que sont mes pensées. La régulation cardiaque, ça part du corps. La respiration, enfin du cœur. La respiration consciente, ça part de la respiration. Le yoga, ça part du corps. La psychologie positive, c'est les pensées. Mais entre guillemets, toutes ces méthodes sont là pour prendre conscience de son corps, prendre conscience de ses pensées, prendre conscience de ses émotions. Soit par le corps pour aller vers la pensée puis l'émotion, ou l'émotion vers la pensée, soit la pensée qui va écouter ses émotions et le corps, soit c'est l'émotion qui vient calmer ses pensées et qui vient goûter où elle est dans le corps. Vous voyez? Mais en fait, toutes celles-là, c'est des diversions attentionnelles pour pouvoir tout de suite réguler l'émotion qui est trop forte. Mais ça n'est pas soignant, c'est apaisant. Donc, attends, je veux réagir là par rapport à ce que Ouais, tu dis. Donc, tu dis, oui, voilà, ça n'est pas soignant. Ça aide de façon passagère. c'est ça. Et pourquoi ce n'est pas soignant? Parce qu'en fait, ça régule les émotions, mais cette nouvelle stratégie, en fait, le problème est toujours là, bien marqué dans le cerveau. On met une nouvelle stratégie. Et en fait, tout d'un coup, tu as deux stratégies. Deux stratégies en deux probabilités, j'agresse la personne ou j'ai peur ou j'ouvre le frigidaire. Et de l'autre côté, tu as cette nouvelle stratégie qui est stop, tu t'assois et tu t'assieds sur un canapé et tu respires. Ou tu vois, tu prends le temps. Et en fait, ces deux stratégies qui sont mises en compétition dans ton cerveau, donc ça peut créer chez la personne beaucoup de jugement et beaucoup de fatigue. Parce qu'il va devoir se contrôler, prendre conscience, accueillir qu'il a fait tel ou tel truc, que ça lui donne des nouvelles actions, des nouveaux jugements, une nouvelle pression, de la critique, du stress, de la fatigue, tu as un entraînement. Voilà. Et son problème est toujours, tu vois, c'est un peu, la merde est toujours sous le tapis. Le tapis est bien, le tapis est pratique, le tapis est utile pour pouvoir vite cacher le truc, mais le truc est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien, ouais. Voilà. OK. Donc, maintenant, le vrai changement, d'accord? Je mets plein de guillemets. Voilà. En fait, c'est de créer un sursaut émotionnel pour relancer la plasticité du cerveau. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand on est régulé, là, on va partir, eh bien, on va créer, on va faire prendre conscience de son mécanisme et on va lui créer une surprise ou créer quelque chose que, mais vraiment au niveau très émotionnel, intime. Donc, vous voyez que pour changer la boucle, hors démarche thérapeutique, tu vois, parce qu'une séance de thérapie, c'est une démarche thérapeutique.
Il y a aussi l'écriture thérapeutique, il y a aussi l'art thérapeutique, il y a aussi une bonne conversation avec un ami, ça peut être thérapeutique. Voilà. Donc, hors de avant la séance, la personne fait sa boucle, mais pour les hypos, pour les personnes qui sont un peu avec une estimation basse, eh bien, ils vont sentir que ça ne va pas bien. Et ils vont venir en thérapie en disant, ça va pas bien, je comprends pas, là je vois bien qu'il y a un écart entre ce que je veux vivre et ce que je vis, voilà. Eux, ils vont arriver avec un niveau de conscience en disant, bah, je réalise ça. Ceux qui ont une estime d'eux, une confiance en eux plutôt haute, eh bien, en fait, ils vont se dire, mais à cause des autres personnes qui lui diront, bah, tu sais, tu as ça comme truc. Et la personne va venir en disant, bah, je comprends pas, on me dit toujours ça. Bah, en fait, je comprends que enfin, je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe chez les autres par rapport à moi. Et en fait, c'est ça, pour ceux qui ont fait un peu de Gestalt, c'est ça qui différencie les hypos et les hyper. Les hypos, ils disent, je ne suis pas bien, je ne comprends pas, ce n'est pas ça que je veux dans ma vie. Les hyper, ils disent, je ne comprends pas, les autres ne me comprennent pas, ils me font des retours que je ne veux pas. Et voilà. Et donc, quand ils rentrent dans la démarche, moi je dis en trois séances ou en trois étapes, c'est comme vous voulez. Mais souvent, moi, en tant que thérapeute, c'est plutôt maintenant que je vais faire, c'est en trois séances. Donc, la première séance, en fait, c'est le client arrive en disant, bah, je viens présenter les faits, cette boucle, et je propose, je présente à mon thérapeute, je lui dis tout ce qui s'est passé. Vous voyez, ah, je sens qu'il y a cette boucle-là, cette répétition. Et tiens, j'ai un exemple concret, très pragmatique, la semaine dernière avec ma mère, avec mon voisin, avec mon partenaire. Et voilà ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a vécu quoi? Qui a répondu quoi? Vraiment comme s'il y avait une caméra extérieure et en fait, le client dépose toute la situation, vraiment étape par étape. Et puis après, quand on a toute la situation et que le thérapeute comprend bien qui agit comment et que le client même, lui, en déposant tout comme une caméra extérieure, il va avoir des premières prises de conscience. Mais surtout, en fait, en déposant tout, il va pouvoir arrêter de penser et descendre dans l'émotion. Ah, mais vous voyez, quand je dis tout ça, ben là, ça me fait remonter l'émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Et quand je sens cette émotion, eh bien, j'entends mes pensées, ma croyance qui tournent dans ma tête. Et donc, la personne, souvent, eh bien, on est tous humains, on connaît tous la charge mentale, on sait tous que dans notre vie, on est tous obligés de courir. Et en fait, par tout ce qu'on a à faire, et en fait, en se posant et en faisant ça, eh bien, il prend conscience de la situation. Et en fait, à partir de là, il peut repartir avec, tiens, j'ai pris conscience de cette croyance-là que je vis aujourd'hui dans mon quotidien. Séance d'après, on reprend la croyance qu'on a fait apparaître dans le présent et on va aller voir l'événement en lien du passé. Et on va recommencer la démarche. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand vous me dites ça, quel est l'événement un peu originel qui est apparu ou que vous avez vécu avec qui? Donc, qui a fait quoi, comment et autres. Et donc là, la personne raconte tout cet événement, étape par étape, qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a répondu à comment, quels sont les gestes qui ont été dits. Et quand la personne raconte ça, souvent, ça fait monter son émotion. Et quand ça fait monter son émotion, ça permet d'aller voir sa croyance, sa peur, qui a été enfermée en elle. Et c'est là où, en prenant conscience, en fait, c'est là où on peut créer un déblocage émotionnel de la personne si elle va voir que, en fait, toutes ces protections en séance 1 et en séance 2 viennent, toutes ces réactions viennent de cette peur initiale. Voilà.
Et en séance 3, on va aller voir le futur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va rappeler ce qui s'est passé et on va essayer de mettre en parallèle la croyance de l'enfant et de la relation à la mère face à ses attitudes du présent. Et si, et ça peut être très surprenant pour le client, il peut faire, mais non, je veux pas ça, je veux pas faire ça. Et tout d'un coup, en fait, la croyance du passé va être shuntée par le cerveau, elle va être évacuée, va être intégrée, vous voyez, comme dans les cerveaux du haut, elle va se redisperser, qui était bien coincée dans l'hypothalamus, elle va bien se redisperser dans tout le cerveau et elle va être intégrée comme expérience. Et donc, à partir de là, il prend conscience et il va le valider en faisant des nouvelles expériences. Avec son thérapeute ou dans son présent. Et c'est le côté à chaque étape. Voilà. Et donc, hors de la démarche, la personne va pouvoir utiliser sa nouvelle probabilité, sa nouvelle croyance, puis très sainement, très facilement, puisque son émotion du passé ne va pas réagir, puisque ça y est, elle a été écoutée, entendue et intégrée. Est-ce que vous avez des questions? Après, je vous donnerai des exemples que moi, j'ai moi-même vécu. Quoi dire? C'est très intéressant, mais c'est complexe, quoi. Tu as utilisé un très bon mot, c'est complexe. Tu vois, c'est pas compliqué, c'est complexe. Et en fait, quand on déroule. Je vais vous donner les supports après, mais en fait, quand on déroule, ça devient un fil. Et donc, il n'y a plus que des étapes à suivre. Et il n'y a plus qu'un petit entraînement à faire. Et après, bah, c'est comme une recette de gâteau au chocolat. On ne sait pas quel gâteau au chocolat il va sortir, mais à la fin, on aura un gâteau au chocolat. Donc, par exemple, séance 1. Par exemple, bon, pour parler, moi avec ma mère, elle est assez agressive encore aujourd'hui. Et en fait, donc là, on s'est vu dernièrement, et en fait, il y avait de la peur qui montait, de la conversation, enfin, des pensées, enfin, des trucs, des prévoyants. Donc j'étais dans une posture un peu. Passive-agressive, un peu résistance, agression, enfin il y avait toute cette tension-là et bah, je voyais bien ça. Et en fait, bah, je suis allé en séance d'EMDR, j'ai parlé de ça, de tout ce qui est passé, et puis elle m'a dit, bon, bah, maintenant vous allez me parler d'un événement que vous avez vécu avec elle dans votre enfance. Donc on allait voir les émotions, la peur primale d'être rejeté, de pas être aimé. Donc là, pleurs, tu vois, vous voyez, sensations, émotions. Et en fait, donc là, j'ai bien compris qu'en fait, ma peur de résistance, agression, c'était en fait la peur de ne pas être aimé, mais en même temps, je créais ça, donc je créais du rejet, donc je ne créais pas d'amour, donc il n'y a pas de lien d'amour. Donc tout ça, j'ai pris conscience de mes mécanismes du présent qui me faisaient vivre tout en me protégeant et en créant du rejet, voilà, une tension et autres. Et en fait, à la fin de la séance, il y a la thérapeute qui m'a dit, bah, pour vos vacances, qu'est-ce que vous voudriez vivre? Ah, bah, en fait, là, je m'imagine dans la cuisine de la maison de vacances et ma mère qui me dit un truc, petit déjeuner, et en fait, mon agressivité et tout fait que je me vois étaler de la confiture sur tout le visage en disant, tu vois, regarde, je me mets plein de confiture sur le visage. Et tout d'un coup, j'ai fait, mais non, c'est pas ça que je veux vivre comme vacances. Donc non, je ne vais pas aller dans la maison de campagne avec ma mère. Point barre. Voilà. Et tout d'un coup, en fait, mon cerveau a eu une surprise en disant, mais bah non, ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre. Ce n'est pas d'être dans une agressivité mutuelle, d'être surpris, enfin, de subir
d'agressivité un peu surprise de ma mère et que moi je réagisse avec de l'agressivité. Non, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et hop, en fait, mon cerveau a, enfin, j'ai eu une émotion de surprise, de prise de conscience où tout d'un coup j'ai fait putain, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Et donc, en fait, bah, j'ai envoyé un message à ma mère en disant non, je ne veux pas vivre du rejet et donc je ne viendrai pas en vacances avec toi et je te propose d'aller en thérapie familiale. Et moi, j'ai pris ma responsabilité, j'ai dit tout ce que je voulais dire, j'ai assumé tout ça dans ma vie et après, je lui laisse la responsabilité. Et vous voyez tout d'un coup comment il y a eu, je suis allé toucher la séance 2, la peur la plus profonde. Que j'avais, et la séance 3, quand j'ai mis en parallèle l'action que je ferais si j'avais du passé par rapport à l'action d'un futur probable, ça m'a déconnecté de ça. Et donc, bah maintenant, je suis apaisé par rapport à ça. J'ai eu quelques restants, mais ça m'a pesé. Et en fait, j'ai eu une cliente aussi, elle avait très peur de prendre la parole dans des réunions d'entreprise. Et on est allé voir qu'en fait, sa mère était très chargée, elle avait énormément de travail et autres, donc elle ne voulait pas déranger sa mère. Et donc, en fait, c'était, je ne dois pas déranger ma mère, je n'ai pas de valeur, tout ça, et j'ai peur d'être un poids pour elle. Et tout d'un coup, quand on allait voir, mais la prochaine réunion, ça vous fait quoi que... est-ce que vous dites que vous avez peur de déranger vos collègues en disant votre opinion? Ah ben non, je ne vais pas appliquer cette règle-là mais que j'ai appliquée à ma mère, à mes collègues. C'est stupide, je ne suis pas là pour les protéger. Je ne suis pas là pour... Parce que moi aussi, j'ai du travail à faire, moi aussi, j'ai des trucs à faire avancer. Donc non, je ne suis pas là pour les protéger, qu'ils ont trop de travail. Donc moi, je vais ouvrir ma bouche à la prochaine réunion. Et en fait, toutes ces peurs, toutes ces résistances, elles avaient disparu. Voilà. Là, vu comme ça paraît simple. Parce que parfois, il y a plusieurs croyances qui sont superposées, il y a plusieurs trucs qui sont superposés. Donc, il faut vraiment réussir à prendre avec le client un seul sujet et aller jusqu'à la dernière étape avec sur une seule croyance. S'il y a une autre croyance, si le client il essaye de s'échapper, eh bien inconsciemment, hein, en amenant d'autres sujets, eh bien on le ramène en disant non, non, là c'est le sujet qui est là, qui est important. Je vais vous accompagner et on va descendre en vous ensemble. Tout va bien aller, vous allez voir, je vais vous accompagner. Et oui, c'est très intéressant, je la note, on la traitera pour un prochain exercice et vraiment descendre, descendre, descendre. Et si elle revient, si cette croyance revient chez le client, en fait, c'est que la peur qu'il a eue, ce n'était pas la peur la plus profonde. C'était une peur, disons, qu'il y a plusieurs couches et que, eh bien, on va pouvoir redescendre en disant, mais là, quelle est la peur qui apparaît? Et aller voir ce qui apparaît. Voilà. Est-ce qu'avec ces exemples, ça vous paraît... Quelles sont les questions ou les demandes qui pourraient vous venir en tête? Ou tout va bien? Non, c'est OK. Par contre, je me permets de me montrer. Ça me fait bizarre d'être dans le noir. Donc, Ah oui, c'est pas de problème. ouais. Attends, hop, voilà. Comme ça, je peux te voir aussi. Voilà, donc, c'est ça l'exercice de la démarche. Et donc, en fait, après que l'on utilise tous les exercices, tu vois, Marie-Laure, on parlait la dernière fois de la relation au corps. Avec la méthode Kwe, je suis une belle personne, je suis une belle personne, je suis une belle personne. Eh bien, ça, c'est la première solution. Mais la première solution, elle ne va pas aller traiter le vrai problème qui fait que la personne a des actions compulsives ou des actions d'autodestruction de leur corps.
parce que ça stabilise juste la personne. Mais s'il y a quelque chose d'impacté fort, et comme on a vu que si la personne est traumatisée, elle est très réactive, parce que son cerveau est hyper câblé à réagir comme cela, eh bien, sa méthode Coué, elle va exploser très facilement. Donc, en fait, voilà, là, j'ai décomposé toutes les étapes sur un support papier, d'accord? Ça peut être pratique si on le fait seul, mais normalement, c'est le thérapeute, c'est le psy, qui est là pour faire vivre ça comme expérience à la personne. Donc, première étape, la séance, analyse de la scène. Aller voir dans le corps où est-ce que y a des sensations corporelles. Faire une croix ou voir quelle énergie, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce qu'il y a un mouvement. Et puis, derrière cette sensation corporelle, quelle est l'émotion qu'on pourrait mettre dessus? Sur cette sensation, sur cette émotion, c'est un porteur de message. Quel était le besoin qui est derrière? Et donc, quelle est la croyance que la personne a? Et donc, dans le livre, il conseille au thérapeute d'écrire la croyance qu'a donnée le client pour qu'il puisse le relire pendant la semaine, pour qu'il puisse bien vivre et qu'il y ait cet effet de répétition, d'entraînement émotionnel à qu'est-ce que ça fait que je me connecte à cette croyance du présent. Donc, quand le client y revient, bonjour, alors ça fait quoi que vous avez vécu en lisant cette carte-là? Ah, bah, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. J'ai eu beaucoup d'émotions, ou j'ai eu moins d'émotions, ou j'ai eu pas d'émotions, puis j'ai eu beaucoup d'émotions. Et donc, bah, en fait, quand vous avez dit ça, à quoi vous liez un souvenir? Ah, et puis en racontant ce souvenir-là, vous avez quoi comme corps, émotion, besoin? Et donc maintenant, quelle était la croyance de votre enfance? Ah, qui est peut-être similaire où il faut l'adapter par rapport à ce que disait l'enfant. Et après, mise en parallèle de la croyance du passé face à ce présent, et essayer de créer cet effet de surprise, cet effet, mais non, cette croyance-là, elle est décorrélée. Mais bien sûr, quand je mets des tirets, enfin les éclairs jaunes, c'est qu'on a vraiment aidé par notre présence à aller accompagner le client dans des émotions désagréables. Donc, parce que le client, il a peur d'aller toucher ces émotions désagréables. S'il vient, c'est qu'il dit, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est parce qu'il reste dans son cerveau. Et donc, le thérapeute, entre guillemets, accompagne avec des « je pourrais penser ça »,« qu'est-ce que ça vous ferait si vous descendriez là »,« qu'est-ce que vous ressentez dans le corps »,« moi, je vois ça en effet miroir ». Et en fait, pour aider la personne à oser toucher cette émotion désagréable. Et quand je dis désagréable, ça peut être la peur la plus ancrée de son enfance, la plus ancrée dans son corps. Waouh, ça risque d'être vraiment, vraiment désagréable. Vous voyez? Et donc, c'est ça le rôle du thérapeute, c'est jouer le bon parent, la bonne mère qui accueille l'émotion de l'enfant, qui lui fait ses retours miroirs. Et après, c'est le bon père qui contrôle que la descente se fasse avec un juste équilibre et qu'il n'y ait pas des sujets connexes ou des dérangements qui viendraient et déranger le client dans sa descente. Et donc, la troisième étape, c'est à la fin, ah ben, je comprends cette dissociation émotionnelle et quelle est la nouvelle croyance actuelle que je vis, que j'ai envie de vivre. Et donc, c'est là où le MDR est pratique parce que vous avez les croyances négatives et là, vous pouvez trouver les croyances positives. Et en fait, je n'en parle plus. Et donc, quelles sont les meilleures méthodes de soutien et vraiment, quelles sont. Vous voyez, là, je vous ai donné le mécanisme. Maintenant, je vous donne les trucs et astuces. Et en fait, dans une séance, ça doit être du sur-mesure. C'est ça
La difficulté d'être en thérapie, du thérapeute, c'est qu'il doit vraiment être enfin, il est là pour s'entraîner à écouter son client et à faire du sur-mesure pour son client. Pourquoi il doit faire du sur-mesure? Parce qu'il doit impliquer, comme je l'ai plusieurs fois répété, le client mentalement, corporellement et émotionnellement. Et avec tout ce que lui donne son client, et surtout, il doit l'aider à rester connecté à lui-même dans les moments désagréables, pour pas que inconsciemment ou consciemment, le client fuit. Enfin, il s'échappe. Ce n'est pas qu'il fuit, je dirais plutôt qu'il s'échappe dans la situation. Et donc, par exemple, les bonnes méthodes que j'ai apprises en hypnose, c'est expliquer l'exercice au client avant. Parce que comme ça, le client apprend ce qu'il va vivre. Et premier point, ça le préconditionne. Deuxième point, ça le sécurise. Et troisième point, ça l'autonomise. Et surtout, en fait, son cerveau ne se dit pas, mais qu'est-ce qu'il va faire encore ce docteur émotion? Ah, je sais ce que je vais vivre. Donc, me sens en sécurité. Après, c'est prendre les mots exacts que a donné son client. Les métaphores, les images, les mots, les structures de phrases que a donné son client dans son présent ou dans son passé avec l'enfant intérieur. Donc, si le client dit c'est une montgolfière, on parle de montgolfière. Si le client dit c'est une rivière, on parle de rivière. Si le client dit maman, t'es une connasse, on dit maman, t'es une connasse. Si le client dit prout, ça m'ennuie vraiment, on fait prout, ça m'ennuie vraiment. Voilà. Après, bien sûr, c'est la posture de l'hypnose et de la gestalt du bon thérapeute ouvert. Et faire appel à tout son imaginaire. Donc, l'hypnose, c'est vraiment faire intervenir son enfant intérieur, ou un protecteur, ou un groupe de personnes, ou autre. Et en fait, c'est pour le cerveau, comme vous avez pu voir, 90% de ce qu'il entend, c'est de l'interprétation personnelle. Donc, vous pouvez tout à fait demander au cerveau. Bah justement, d'utiliser ces 90% pour vous, pour l'aider votre client, en aidant à faire apparaître une bonne personne, en aidant à faire apparaître l'enfant intérieur, ou des pompiers, des policiers, des sécurisants, voilà. Et dans l'hypnose, vous pouvez aussi utiliser si, trois petits points, alors, qu'est-ce qui se passerait? Si vous sentiez ça, alors qu'est-ce que vous pourriez vivre? Voilà. De la Gestalt. En fait, la Gestalt fait beaucoup de retours miroirs. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, nous sommes un support de réception de l'émotion du client. Moi, je dis ben, souvent dans mes thérapies, je dis ben, moi, je suis une page blanche pour vous. Vous venez déposer émotionnellement comme si vous écriviez sur une page blanche. Et donc, c'est la présence de la personne qui fait, grâce à son écoute active, que la personne va se sentir écoutée, soutenue, le bon père ou la bonne mère. Et c'est pour ça que la thérapie par l'écriture fonctionne, puisque le thérapeute, là, c'est la feuille blanche. Et comme ça, comme on a déposé toutes nos pensées, émotions, sensations sur une feuille blanche, et souvent quand on écrit, on va pleurer, on va rire, on va réfléchir, en plus on est impliqué physiquement par l'écriture, eh bien en fait on est dans une séance de thérapie. Donc après, il y a beaucoup de mises en situation qui peuvent aussi être enfin, entrecroisées avec de l'hypnose. Donc c'est la lettre A. Si vous écriviez une lettre à votre personne, aux bons parents, ou mettre la chaise vide, ou tenez, si vous vous leviez et vous commenciez à boxer, ça vous ferait quoi? Donc la personne se lève et commence à boxer. Donc vraiment, en fait, lui faire mettre en situation. Et voilà, et lui dire, bah, là, votre père est en face de vous, qu'est-ce qui se passe? Et ça, bah, c'est un peu d'hypnose, c'est du préconditionnement. Et surtout, donner les mots et les phrases au client. Parce qu'en fait, dans la communication non violente, ah ben ça je pourrais le mettre aussi là, en fait, souvent, comme on a pu voir, s'il y a un traumatisme, le client n'a plus
il ne peut pas aller toucher les zones de la parole. Et en fait, peut-être aussi qu'inconsciemment, il protège son parent et il n'ose pas assumer que son parent est narcissique, que son parent est violent, que son parent est traumatisant. Voilà. Et donc, en Avoir fait, ce problème, j'ai l'impression, moi, avec voilà. mon père. Enfin, bon, bref, ouais, non, mais Tout c'est. à fait. Et donc, ne pas hésiter, enfin, vraiment donner des supports, par exemple, la liste des croyances EMDR, ou une boussole des émotions, ou la liste des besoins, pour qu'enfin le client puisse voir matérialiser et se reconnecter à ça. Et vraiment, ça, c'est un truc important parce qu'il y avait une démarche qui s'apprenait en 2 jours, où si vous rencontrez une personne tout juste traumatisée, et bien surtout, vous ne lui parlez pas de son traumatisme, mais vous lui dites, ah bon, quelle est la couleur de la voiture là en face de toi? Des choses hyper pragmatiques, en fait, parce que comme cela, il va pouvoir retrouver le lien à sa parole. Bah, la voiture, elle est bleue. Ah bah oui, très bien. Et en fait, tout d'un coup, son traumatisme va être libéré, puisque justement, il va pouvoir retrouver le sens de la parole. Et comme on lui aura posé une question très terrain, très pragmatique, eh bien, il va pouvoir répondre très simplement. Et comme du très simple, ce tout petite action va permettre d'aller sur une action plus compliquée, jusqu'à aller toucher ses émotions et là, ouvrir son traumatisme. Voilà. Donc, de la communication non violente, la mise en parallèle des situations passées et présentes. Par exemple, moi, j'ai un exercice qui fonctionne très bien, c'est les 2 colonnes. C'est, tiens, quelles sont les colonnes de tes croyances du passé? Et maintenant, en opposition, les croyances opposées que la personne va créer. Et ben ça, le MDR propose ça avec ses 25 croyances déjà posées. Ou sinon, en fait, c'est de la visualisation. Ça veut dire que vous mettez l'image de cette mère, de l'enfant et de cette mère dans le passé, et vous mettez en face l'image de la mère en vacances à la cuisine. Et vous les mettez à côté l'une de l'autre. Et tout d'un coup, c'est ça qui va faire cet effet de surprise, de dissociation. Ben non, là, ces vacances-là, je ne veux pas vivre ça. Et hop, le cerveau trouve une nouvelle solution. Il y a la création de support pour renforcer. Et en fait, par exemple, c'est l'exercice d'un cauchemar. Si vous avez un cauchemar qui est traumatisant, eh bien, l'exercice, c'est de l'écrire totalement. Première étape, première séance. Puis la deuxième séance, deuxième démarche, c'est changer la fin. Et troisième séance, c'est de changer petit à petit toutes les étapes avant. On change que le bout de la fin, puis juste avant la fin, puis, et à la fin, on change tout le cauchemar. Voire on le rend ridicule, voire on le réduit, on l'augmente. Mais réduire et augmenter, ça, c'est des démarches d'hypnose, de manipuler le cerveau pour dire, et si vous diminuez la personne, ça vous ferait quoi? Et si vous augmentiez la personne, ça ferait quoi? Ça, c'est de l'hypnose. Voilà. De l'EMDR, c'est donner les croyances, la liste des croyances ou autre, faire un système pour aider la personne à se connecter à elle-même. En fait, l'EMDR, ce côté je tape sur les genoux ou j'ai des sons dans les oreilles de gauche à droite ou je fais un mouvement. Des neurones, enfin je suis un doigt avec mes yeux. En fait, pour les personnes qui parlent beaucoup, eh bien, ça les oblige à se connecter à elles parce qu'elles font déjà une chose. Elles ne peuvent pas parler tout le temps. Elles ne peuvent pas parler, suivre le doigt et en plus se connecter à eux. Donc, on leur donne une activité qui canalise un peu cette envie d'avoir besoin de réfléchir. Voilà. Troisième point, créer des espaces de sécurité. En fait, le MDR utilise un peu une forme d'hypnose avec l'espace sécurité. Sécurisé, c'est-à-dire qu'avant les séances, avant d'aller toucher la peur, on va créer mentalement un espace sécurisé. On va créer une boîte pour enfermer tout ce qui pourrait déranger le client. On va lui faire formaliser une poubelle ou quelle est l'image du bon père ou de la bonne mère ou du sage. En fait, c'est un peu de l'hypnose, mais c'est de l'EMDR. Voilà. Et c'est des exercices, en fait, vous voyez que c'est préparatoire ou aidant en situation
ou pour justement créer le nouveau futur. Il faudrait que je réarrange ça. Ouais, je vais réarranger ça en tableau croisé dynamique. Oui, un jour, nouveau tableau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des demandes? Ce que j'en retire un petit peu, puis bon, après pour moi, pour m'être intéressée un petit peu à l'hypnose, parce que enfin, ce que je trouve intéressant, moi qui aime beaucoup l'écriture, c'est de pouvoir, et l'hypnose, c'est un peu ça en fait, c'est de rentrer, enfin, c'est pas de rentrer, c'est capter un peu les intentions de la personne et de refaire une, oh, je sais plus comment les termes exacts, mais de refaire un peu une histoire. Et là, c'est de pouvoir peut-être se réapproprier, comment tourner les choses de façon favorable, quoi. C'est ça. Hein? Et c'est vrai que Réinventer. ça change la, ça change, oui, ça change beaucoup la donne, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que neurologiquement, on a créé une nouvelle probabilité. On a créé une nouvelle histoire. On a créé des nouvelles connexions neuronales qui renforcent cette nouvelle histoire. Et donc, en fait, cette nouvelle histoire, elle n'est plus en concurrence par rapport, en fait, parce qu'elle a nettoyé émotionnellement l'histoire passée. L'histoire passée est toujours lente, on s'en souvient, mais il y a une nouvelle histoire qui a dit, hop, On la grâce à balaye. ça, on la redisperse, ça y est, elle est plus concentrée, on la disperse dans tout le cerveau, on l'intègre dans tout le cerveau, donc on relance la mécanique du cerveau. Et donc cette nouvelle histoire, elle fait, tu peux percevoir les choses différemment. Et étant donné qu'on allait toucher les émotions, il faut aller vraiment toucher les émotions. Si on ne touche pas les émotions, c'est du coaching. Oui, c'est ce que C'est tu disais déjà hier et ouais. ça. Et en fait, c'est juste la personne a intellectualisé, mais n'est pas allée libérer ses neurones. Elle est dans la première démarche de stabilisation, mais elle n'a pas relâcher cette charge émotionnelle qui est bloquée dans le cerveau. Est-ce que Amélie, tu as des questions? Moi, j'ai eu un peu de mal à suivre, j'ai eu du mal à me concentrer, donc non, je vais pas avoir de questions. Bien. T'inquiète pas, je vous enverrai après un lien pour si tu as besoin de revisualiser les écrans et autres. D'accord? Ouais, ok. Et tu peux toujours venir vers moi en me posant des questions après, tu vois, dans la semaine, si tu as des réflexions qui viennent. Et tu peux aussi les poser à ton psy directement. Voilà. Et donc, tu vois, en fait, Marie-Laure, toi qui as envie d'aider les clients par l'écriture, c'est pas toi qui écris, c'est eux qui écrivent. Ou sinon, tu prends sous leur dictée, parce qu'il faut vraiment que ça les connecte à eux-mêmes. Tu vois. Et donc, en fait, si on reprend ça, c'est en fait, ils doivent écrire sur le papier ce qu'ils ont vécu, ou ils doivent dessiner les personnages de la scène. Tu vois, toute la première étape. Deuxième étape, ils doivent écrire ou dessiner. Et en fait, quand ils ont fini d'écrire ou dessiner, soit ils pleurent dans l'action, soit s'ils sont après l'écriture en disant bah, ça me fait rien, bah là, en fait, tu les aides à les accompagner à dire ça. Oui, mais moi, je ressens ça. Vous vous rendez compte quand vous me dites ça? En fait, moi, j'ai vécu des clients, ils ont écrit des lettres à leur mère. En fait, en fait, c'était monstrueux ce que leur a fait vivre leur mère, de la violence, de l'agressivité, des rabaissements. Enfin, quoi. Et en fait, ils me disent, mais vous savez, enfin, ils pleuraient pas, ils n'étaient pas touchés. Ils disent, bah ouais, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, ils m'ont dit, mais vous, en fait, moi,
j'étais pas en pleurs, mais j'ai fait ouais, enfin, j'entends, je vous accueille, mais j'en pourrais normalement. Enfin, là, j'entends qu'il y aurait beaucoup de tristesse qui pourrait apparaître. Ça me touche énormément qu'on dise ça. Et en fait, le client il m'a dit, mais vous savez, en fait, c'est la deuxième fois que je fais cet exercice-là. Et l'autre thérapeute, parce qu'il avait fait une thérapie il y a 10 ans avant, l'autre thérapeute avait pleuré. Oups. Non, mais, et en fait, moi, je lui ai dit, ben oui, moi, je suis sur, je pourrais pleurer pour vous, mais je suis là parce que je suis là pour vous accueillir. Et en fait, il m'a dit, mais j'ai été étonné qu'elle pleure pour moi et je suis encore étonné qu'elle pleurait pour moi. Et elle lui a dit, mais je pleure parce que c'est tellement horrible ce que vous avez vécu qu'on ne peut que pleurer. Voilà. Et il a dit, mais j'entends. Tu vois, il y avait vraiment l'effet, je suis totalement dissocié de mon émotion. Vraiment, l'émotion est enfermée dans le cerveau, mais tellement loin, tellement des murs de réflexion qu'il ne peut pas. Et donc, les cartes croyances passé, présent, futur, en fait, c'est pour que la personne ait un support physique, donc touché, corporel, qu'elle puisse lire, pour elle penser et se connecter à ses émotions. Voilà. Voilà. Merci pour votre intérêt. Échangeons si vous avez des questions ou des demandes. Je vais mettre ça comme cela. Comme ça, vous avez toutes les slides et on pourra plus facilement aller d'une slide à l'autre. Non, très bien, c'est vrai que tes trois, comment ce que tu as fait là, les trois, passé actuel, passé enfance, je sais plus, futur, enfin tes trois fiches là, avec les besoins, émotions, besoins, le dernier, là, le troisième, c'est sur le PPP, le plus Le petit plus pas petit pas possible. possible. Ouais, non, mais c'est. Puis j'entends que comment, oui, aller dans l'émotion qui. Oui, bah, qui dérange, hein, ça n'est pas confortable, mais ouais, c'est bon. Comme c'est désagréable, il faut soutenir la personne. Enfin, on est là, c'est notre métier, notre plaisir, notre joie, c'est d'aller soutenir la personne. Et après, la question, c'est comment emmener la personne dans un espace sécurisé pour que, elle puisse accueillir cela. Donc, y aller, prendre le temps tout en aidant la personne à aller vivre ça. Et donc là, c'est toute la question du lien, de sécurité, de confiance que qui se crée entre le thérapeute et son client pour que le client se sente assez en sécurité pour descendre avec son thérapeute. Bien sûr. Ouais. Et, voilà. Oui, Amélie? Amélie, elle est partie, je crois. On est tous les deux. Déjà? Bah ouais. Oh, cool. Oui, on est tous les deux.